Après avoir exercé ses talents d'animatrice télévision et radio sur les antennes de M6, TF1, RFM et RTL9, Sandra Allou va bientôt rappeler aux téléspectateurs de TMC qu'elle sait aussi jouer la comédie, étant donné qu'elle va rejoindre le casting d'une série emblématique de la chaîne. En effet, l'ancienne participante du Bachelor s'est vue confier un rôle au sein de la fiction à succès Les Mystères de l'Amour. Dans cette série, Sandra Allou se glissera dans la peau d'une journaliste un peu particulière. Pour mémoire, l'actrice était déjà apparue au sein d'une fiction produite par Jean-Luc Azoulay il y a de nombreuses années, étant donné qu'elle tenait un rôle dans la série de France 2 baptisée Le Groupe, au début de sa carrière. Afin d'évoquer son arrivée au sein des Mystères de l'Amour, Sandra Allou a accordé une interview exclusive au magazine Téléstar, en kiosque lundi 20 mars 2023. L'animatrice a notamment dévoilé pourquoi elle a accepté de jouer dans la série de TMC. Cela faisait 20 ans que je répondais non à Jean-Luc Azoulay, le producteur, parce que j'étais concentré sur ma carrière d'animatrice. Sachant que j'avais commencé avec lui dans le groupe et que le temps passe, j'avais envie de boucler la boucle. Ensuite, en lisant le scénario, j'ai beaucoup ri avec le personnage de cette journaliste blogueuse qui est aux antipodes de ce que je suis, a indiqué Sandra Allou. Sandra Allou, j'ai toujours voulu revenir ponctuellement sur les plateaux de tournage. J'ai passé ma vie à être gentil et à ne pas faire de vagues. Alors j'ai pensé que j'allais m'amuser parce que ce n'était vraiment pas moi et que je pourrais jouer sur l'ambiguïté. Sandra Wolf si est un peu ma version maléfique et balancer des horreurs à un côté jubilatoire, a ajouté la comédienne au sujet de son personnage dans Les Mystères de l'Amour. En acceptant cette proposition, j'ai juste eu la sensation de rependre quelque chose d'inachevé. J'ai toujours voulu revenir ponctuellement sur les plateaux de tournage, en considérant cela comme une récréation. Mais je n'ai pas l'intention de m'y réinstaller car je suis tellement heureuse de ce que je fais aujourd'hui, a finalement conclu Sandra Allou. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Téléstar, ce lundi 20 mars 2023.